قَتُلَ الجن والإنس إلا ليعبدون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله ارسله الله رحمه للعالمين فشرح به الصدور وانار به العقول وفتح به اعينا عميا واذانا صما وقلوبا غلفا اما بعد يا اخوتي الكرام فان اصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشهر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد ما زلنا في دراسه هذا الاصل العظيم الذي ذكره المؤلف في كتابه الا وهو لزوم الجماعه والسمع والطاعه لولاه الامور في غير معصيه الله تبارك وتعالى. وكما تعلمون وربما لاحظتم هذا الامر ان الباب طويل جدا. فذكر المؤلف في هذا الباب اولا الادله على عدم مشروعيه الخروج على السلطان بالسيف والكلام. وبعد ذلك ذكر فتنه الامام احمد وما جرى في زمانه من فتن ومحن عظيمه مع الواثق والمامون والمعتصم ثم فسر المؤلف بعد الادله التي تتعلق بهذه المسائل العظيمه وبعد ذلك ذكرنا اقوال السلف في هذا الامر والان ندخل في رفع الشبهات المبتدعه الذين يستشهدون بقصه الحسين وغيرهم من السلف على كما يزعمون مشروعيه الخروج على السلطان ان كان ظالما او فاسقا او كافرا يقول المؤلف حفظه الله تبارك وتعالى الذين خرجوا من قبل افعالهم لا حجه فيها قد يحتج كثير من الناس فيقول مثلا ولكن خرج الحسين الحسين بن علي رضي الله تبارك وتعالى عنهما بل خرج عبد الله بن الزبير وصار اميرا للمؤمنين وهو جدير بان يكون رضي الله عنه وعن ابيه وعن الصحابه اجمعين وكذلك خرج فلان وفلان من السلف الصالح من قبل طيب Donc ici, mes frères, le cours, comme l'a proposé l'auteur de ce livre, portera sur le fait d'enlever les ambiguïtés qui pèsent sur la communauté concernant ce principe, à savoir, est-il permis de sortir sur le gouverneur pervers ou mécréant Nous avions vu, nous avions montré, oh, rabbil alamin, que cet acte-là est strictement interdit au regard des textes religieux, et au regard aussi du consensus des salafs. Et je vous avais rapporté la semaine dernière que l'imam al-Bukhari a dit, j'ai rencontré pas moins de 1000 savants, de Mecca, ou al madina ou al al-Basra, ou al-Wasita, ou al-Baghdad, ou al-Misra, ou al-Hijaz. sont d'accord sur de Uh, be safe. Tous étaient unanimes pour dire qu'il est interdit de sortir et de se rebeller contre le gouverneur avec l'épée. Mais les innovateurs, les gens qui, ont, qui sont enclins à la déviance, justement vont prendre des cas isolés dans l'histoire pour s'appuyer sur, sur ces faits isolés et en déduire un statut juridique ou une règle religieuse. Yaqul al ceux qui sont sortis avant, auparavant, contre le gouverneur, leur acte n'étant rien un argument à faire valoir. Leur acte n'étant rien un argument à faire valoir. La Beaucoup de gens argumentent en disant, mais El Hussein est sorti, hein, sur Yazid ibn Muawiyah, comme on va le voir. Ainsi que Abdullah ibn Zubayr ibn Al Awam est sorti et est devenu prince des croyants. Et il est le plus en droit d'être ainsi qu'Allah l'agré ainsi que son père et l'ensemble des compagnons. Et un tel et un tel sont sortis parmi les pieux prédécesseurs. Comme nous avions évoqué, <coughs> ces troubles qui ont survenu en l'an 81 de l'Égypte avec Ibn al al-Kindi. Abdurrahman Ibn al-Kindi. Où Saïd Ibn Jober est sorti contre le Hadjaj et d'autres grands savants qui ont été touchés par cette épreuve. Alors les gens d'innovation qui veulent justement légitimer. La rébellion contre le gouverneur prennent ces cas isolés dans l'histoire et disent Regardez ce qu'ils ont fait, les salafs. Ils sont sortis. Pourquoi vous nous critiquez alors dessus Alors ils disent Et un tel et un tel sont sortis parmi les pieux prédécesseurs. Que dit Cheikh Naslan Où on dit Ça, c'est une règle en armée frères que vous devez connaître. Ce qu'ils ont fait, ce n'est pas un argument à part entière sur lequel on s'appuie pour, pour en tirer des règles religieuses. non. Par contre, ça devient un argument dès lors qu'ils sont en corrélation et en conformité avec le livre d'Allah et la du prophète sallallahu alayhi wa Donc, c'est-à-dire que dès lors qu'on a les textes du Coran et de la Sunnah. C'est nous qui viendrons appuyer leur acte s'ils sont conformes. Par contre, on ne prend pas de leur acte ou de leur dire en fermant les yeux sur les textes religieux et en disant ce qu'ils ont fait c'est légitime. Vous avez compris les frères? Autrement dit, El c'est quoi? C'est l'infaillibilité. Elle ne réside que dans la parole d'Allah et la parole du prophète et le consensus des sahaba. Si un homme dans l'histoire fût-il un grand imam, افيك شيء كي كونتراغ على السنه نبقاو با دو في ستيل ابو بكر في ستيل الحسين بن علي في ستيل علي بن ابي طالب وما وقع من بعد السلف من الصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم ومن غيرهم فالحجه فيما قاله الله وما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم والصحابه وأئمة التابعين أنكروا على من خرج من إخوانهم فقد فقد أنكر عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما على الحسين بن علي رضي الله تبارك وتعالى عنهما وقال له لولا أن يزرا بي وبك لنشبت يدي في رأسك ولو أعلم أنك تقيم إذا لفعلت ثم بكى رضي الله تبارك وتعالى عنهما l'argument à faire valoir réside concernant ce qui s'est passé chez les salafs parmi les compagnons et autres dans ce qu'Allah a dit et dans ce qu'on s'en envoyait a dit sallallahu alayhi wa sallam c'est pour ceci qu'au début du chapitre nous avons évoqué quoi les versets d'Allah et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin qu'il ne reste plus aucune ambiguïté à partir de ça lorsque nous avons les textes religieux selon la compréhension des salafs tout ce qui va se dérouler dans l'histoire devra être examiné et jugé selon ce qu'on a déjà appris par rapport aux, aux versets coraniques et aux hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pas le contraire. On ne prend pas l'acte de l'Hussain et on essaie de chercher dans le corps et la Sunnah ce qui vient appuyer son acte. Si vous avez compris ça, les choses vont être très claires. Donc, il dit, l'argument réside dans le livre d'Allah, la sunnah du prophète, concernant ce qu'ont fait les compagnons et ceux qui les ont suivis. Les compagnons ainsi que les grands tabirines réprouvèrent ceux qui se révoltèrent parmi leurs frères. Non. Abdullah ibn Abbas a réprouvé le fait que le Hussein partit vers le Koufa pour que, pour que les gens lui fassent allégeance. Et lui dit, si ce n'était pas le, le discrédit sur toi et moi, j'aurais enfoncé ma main dans ta tête. Si je savais que tu resterais quelque temps, je l'aurais fait. Puis il pleura. Il pleura car El-Hassan ne l'a pas écouté. Il est parti. En la Abbes, il savait que El-Hassan était en train de faire une grave erreur. Il lui a dit, si je pouvais, j'aurais enfoncé ma main dans ta tête afin que tu ne sortes pas de Medina. Ou plutôt de Mecca, car à ce moment-là, il était à Mecca. ابو سقى وقال له ابو سعيد الخدري اتق الله اتق الله والزم بيتك خاء الله اغاث شتوى نعم سي الحديث دو بن اليمن نعم في وقت الفتن فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي حذيفة بن اليمن في وقت المحن والفتن بلزوم البيت نعم الزم بيتك Dans des troubles, on ne participe avec personne. On reste chez soi et on tient sa langue et sa main. Même si tu devais t'accrocher à un arbre pour ne pas, pour pas participer à ces troubles, où les choses elles sont ambiguës, ou les étendards, tu ne sais pas pourquoi ils sont levés. Si c'est pour Allah ou si c'est pour autre chose. Donc s'abstenir. Abu Sa'id al-Khudri, par sa science et par la connaissance des hadiths du prophète, il a dit "Il zambaitak, itaqil wa zambaitak. Khala la yaghasu shaitwa." Et Kallemahu Jabir wa Abu Waqd al-Laythi wa akharun min as-sahaba. Qalluhum nasahuhu an yalzamu an yalzama baitahu. Faaba

et le supplia de rester. Adam a fait le tifaki bain sahaba y'a écouté Comment après on peut dire Oui, mais le Hussein il est sorti. Et pourquoi ils n'ont pas dit ces gens-là Oui, mais tous les sahabas l'ont interdit. Ou l'ont empêché. Ou l'ont mis en garde. S'il si n'était pas sorti, ceci aurait été préférable pour lui. S'il n'était pas sorti, ceci aurait été préférable pour lui. S'il n'était pas sorti, ceci aurait été préférable pour lui. فهو اجتهاد خاطئ منه والمجتهد المخطئ لا يتابع على خطئه Les savants à l'unanimité sont unanimes pour dire que les gens parmi les, les sommités, parmi les savants comme le Hussein, comme Abdullah ibn Zubir, comme Saïd ibn Jubir qui est sorti sur le Hajjaj ibn Yusuf, comme عامل الشعبي aussi, Tous ces gens-là, qui sont sortis, ce ne sont que des des erreurs d'interprétation. Ça s'appelle « ijtihadun khati ». Et celui qui fait ces ces interprétations erronées, on ne le suit pas dans ses erreurs. C'est clair et net, mes frères. Si on sait qu'il est dans l'erreur, on le suit ou on ne le suit pas Fust-il Abu Bakr, radhiallahu tabaraka. Regardez bien ici. « Walizalika qawla hafid ibn Hajar » راح الله تبارك وتعالى وغيره وكان كان الخروج على ولاة الجور في السلف قديما مذهبا قال دي ابن حجر ولكنهم عدلوا عن ذلك ومنعوا الخروج لانهم لم يؤدي الى شيء بل ادى الى محن كبيره الى دي ابن حجر لا ريفولت كونتر لي جوفيرنور انجست ايت اون فوا انسيين شيه دي سلف ونبقى نشوفه صار Quelque chose qui n'est pas correct chez Hajar. Hein. Il a dit la révolte contre les gouverneurs injustes est une voie ancienne chez les salaf. C'est comme s'il disait c'est quelque chose qui était connu avant. Mais après, lorsqu'ils ont vu tous les désagréments que ça occasionnait, ils se sont abstenus de le faire. Hein. Donc il dit je rapporte la parole de Hajar, Il dit la révolte contre les gouverneurs injustes est une voie ancienne chez les salaf, mais ils s'en sont détournés et interdisent la révolte car elle n'aboutit à rien de bénéfique, mais au contraire elle occasionne beaucoup de troubles. غادي سكي في الهامش من بعد وكلام ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى لا يسلم لاباج ابن حجر ني با كونسوفابل سكي فيها لان النصوص متكاثره على الامر بالصبر عند جور الائمه وعليه اتبق من سلف دعوه وعملا فكيف كان الخروج على ولاة الجور في السلف قديما مذهبا؟ يدي la parole de Hajar n'est pas acceptable car les textes religieux sont nombreux concernant la patience à observer face à l'injustice des gouverneurs. C'est l'épreuve que nous avions évoquée les deux ou trois cours précédents. Tous les textes qui nous interdisent interdisent de sortir sur le gouverneur même, était un grand, même si c'était un grand oppresseur ou un grand injuste. Donc, les salafs ils s'interdisait de sortir sur le gouverneur, non pas par le simple fait qu'elles occasionnent beaucoup de méfaits, mais parce que le prophète l'a interdit. C'est en ceci que la parole de Ben n'est pas acceptable, car lui, il dit c'était une voie des salafs déjà anciennement. Cher Raslan, car les textes religieux sont nombreux concernant la patience à observer face à l'injustice des gouverneurs, et sur cette base s'appliquent les salafs dans la prédication et dans l'application. كمون لا ريفولت كونتر لي كوفرنور انجست، بوتينيتر اون فوى انسان شي لي سلاف، أوكو تو سي تكست لا يسوو برزان. دوك سينيغور دو بن حجر، سي تبارك لا ني رحمه الله تبارك وتعالى. طيب. ومن كيد الشياطين ان الروافد ما زالوا يتشبثون بما وقع للحسين بن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، يعني ما زال الروافد الى يوم الناس هذا يتخذون Ça c'est important, mes frères, car c'est quelque chose qui nous concerne tout particulièrement. Parmi les Russes des démons, le Rawafid ne cesse de s'accrocher et s'obstiner sur ce qui se passa avec le Hussein Ibn Ali, c'est-à-dire, le Rawafid ne cesse jusqu'à aujourd'hui d'utiliser le meurtre de le Hussein comme un moyen pour provoquer. Et attiser les passions des musulmans. En disant. Regardez le Hussein. C'est un martyr. Ils l'ont tué injustement. Et il fait partie de la famille du prophète. Ils encensent les foules comme ça. Afin que. On ait pitié. On a pitié. On aime le Hussein. Mais ils veulent par ceci. Ramener les musulmans à leur cause. En disant. Ceux qui sont avec le Hussein. Ils sont avec nous. Donc, vous devez vous désavouer de tous ceux qui, qui l'ont combattu. Et parmi eux, en premier lieu le calife Yazid al et tous les compagnons, etc. Vous voyez comment il rentre par la porte de, des émotions, des sentiments. Ça, on l'avait déjà vu, mes frères. Al-Bida, il rentre par les sentiments pour induire en erreur les gens de la Sunna. Notamment, les sentiments ou l'amour qu'on porte envers les gens. صلى وسلم ومن عجب أن مخطط غروافض يغفل عنه كثير من أهل السنة فأهل السنة فأهل السنة منشغلون فأهل السنة منشغلون بخلاف السنة ولا يلتفتون إلى هذا العدو الغابد المتربص بل المتسلل ce qui est étrange, c'est que la plupart des gens de la sunna sont insouciants et ignorants des plans élaborés par les harawas. Hein? les gens de la sunna sont occupés par toutes les choses qui sont contraires à la sunna et ne prennent pas en considération cet ennemi qui est comme un lion aux aguets. Cet ennemi est comme un lion aux aguets s'infiltrant par les portes des voies soufies. Rien qu'en Égypte, il n'y a pas moins de 76 voies soufies. Il n'y a pas moins de 76 voies soufies. Effectivement, Rawafid, qui, durant le, la présidence de Hosni Mubarak, Rawafid, ils étaient presque inexistants ne formaient pas de groupe, ils étaient cachés. Depuis que le gouvernement est tombé, à leur tête, il y a eu, les, les chiens sont rentrés en Égypte. Non, mes frères, les chiites sont rentrés en Égypte. Des pactes ont été conclus. Et ils se sont infiltrés parmi les voies soufis. Regardez ce qu'il dit, cher Raslan. ما يزيد على هذا العدد وهذه الطرق الصوفيه هي بوابه التشيع في مصر وهو مخطط سياسي وليس بمخطط ديني فالثابت المقرر ان الروافد حرب على اهل السنه وخياناتهم للسنه واهلها على مدار التاريخ معلومه واهل السنه لا ينتبهون من غفله ولا يفيقون من غفوه Il dit Il en découle des voies secondaires de ces voies soufies, de ces 76 voies soufies, il en découle des voies secondaires plus nombreuses que celles-ci. Les voies soufies sont autant de portes d'accès pour l'infiltration et l'installation du chiisme en Égypte. C'est un plan politique et non religieux. Ce qui est établi et connu chez les gens de la Sunna, c'est que les rawafid ont déclaré la guerre aux gens de la Sunna depuis le début. Leur traîtrise envers les gens de la Sunna à travers l'histoire est connue. Et les gens de la Sunna, de par leur insouciance, ne font pas attention à ceci, et de par leur somnolence ne se réveillent pas. Ces vipères abordent les gens de la Sunna par le biais de l'amour envers la famille du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Comme le serpent qui va mordre et qui va cracher son venin et qui va repartir, non C'est comme le cas en Égypte. Non Donc, Cheikh al parle de quelque chose qui, qui est en train de vivre, qui se voit actuellement. La kharaj al-Hussein, radıyallahu <t> ta’āla wa ta’āla, wa waqa’ma waqa’a bi qada’illahi ta’āla. Certes, al-Hussein est sorti, et il s'est passé ce qui s'est passé par là le décret d'Allah ta'āla. Wa mazara wa fido yatakhidun azalika. Il dit Certes, El Hussein est sorti et s'est passé ce qui s'est passé par la volonté d'Allah. Le Rawafid ne cesse de s'appuyer sur ceci, afin de provoquer beaucoup de mal et de troubles parmi la masse des musulmans. Il convient aux gens de la Sunnah de se méfier. de s'accrocher au groupe et de ne point participer au désordre et à l'anarchie. Comme ils veulent le faire. ومعلوم من دين الإسلام أنه لا دين إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمامة ولا إمامة إلا بالسمع وطاعة وأن الخروج عن طاعة ولي الأمر Il est certes connu dans la religion de l'islam qu'il n'y a pas de religion sans groupe. Et il n'y a pas de groupe sans imam. On parle d'imam ici de gouverneur. Hein? Rappelez-vous la parole du Khudéfatab le Yémen. Fama in Adrakani Ces troubles là, que m'ordonnes tu si je dois les subir ou je dois les vivre? Tal Accroche toi au groupe des musulmans et à leur imam. Le groupe des musulmans, mes frères, on avait dit que ce sont ceux qui sont sur la voie du prophète Il fait partie de s'attacher ou de rester dans l'allégeance, sous l'allégeance du gouverneur musulman. Non, il fait, ça fait partie de la croyance des gens de la Sunnah. Même si toi tout seul tu t'accroches au gouverneur, c'est toi le groupe. Non, les frères, la notion de Jamara est une notion qualitative laisse, et pas quantitative. Elle peut être quantitative. Ça peut être la masse aussi. Si elle est sur la voie du prophète, c'est toi ça. Voilà qu'une des caractéristiques qui nous différencie des gens de la soule des gens de la bidara, c'est justement que, on, on, on donne l'écoute et l'obéissance au gouverneur musulman. C'est pour ceci que vous retrouvez ce mas ala qui est un mas-Alafiqriya à la base. C'est un une, une problématique de jurisprudence, mais on la retrouve toujours dans les livres d'Aqid. Pour quelle raison? C'est justement pour que, pour montrer que les gens de la Sunnah ils se différencient des gens de la Bédara avec ceci, avec ce principe-là. Non. Donc même si vous êtes tout seul à vous accrocher au groupe, accrochez-vous à lui, Inch'Allah. Non. Même si c'est le Hadjah, et mis Yousuf. On a eu des gouverneurs. Regardez, regardez par exemple ce qui s'est passé avec Hussein. Rabbi de Ziyad. C'était des gouverneurs, al-Mustan. Commandité le meurtre le Hussein. Je ne sais pas si un gouverneur à l'époque il oserait le faire. Non. Malgré ceci, ses sahaba ils sont restés sous. Je vous ai pas parlé de Yazid Ibn car Yazid Ibn quand il a appris la mort de Hassan, il a pleuré. Il a pleuré, il a pleuré, il a pleuré. Et il a pris sous son aile tous ceux de Al-Bayt qui étaient encore vivants parmi les petits. Hein. Il les a tous pris sous son aile. Il les a akramavoum. C'est-à-dire, il les a honorés. Hein. Il leur a donné les plus beaux vêtements. Il les a il les a mis à leur place. Et il les a fait repartir vers Medina ou à Makkah euh, sous escorte. Hein. Ceci, que, tout, tout ceci pour vous dire qu'il n'y avait pas de, comme disent les, les, les Rawaf et des autres, il n'y avait pas de, 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 de dispute et de, de rancœur et de rancune envers Al-Hussein ou Yazid ibn Muawiyah. Donc il dit pas de groupe sans imam et il n'y a pas d'imam sans écoute et obéissance. Et que la rébellion et, la rébellion et, et que la rébellion à l'obéissance du gouverneur et la révolte contre lui est une des plus grandes causes de désordre dans les contrées et parmi les serviteurs et est un éloignement au chemin de la guidée et de la droiture. Hassan el basri je viens corriger l'erreur ici, J'avais dit que Hassan el basri avait participé à la fitna d'Ibn al-Ash'af et qu'il était sorti. ce n'est pas son fils, oui, pas lui. Hassan el basri il s'en est lavé les mains. Et lorsqu'on l'a incité, les gens, ils venaient, ils lui disaient, fais le pacte d'allégeance à Abdelrahman al Ibn al-Ash'af, contre, contre al-Malik ibn Marwan et Al-Hajjaj ibn Yousuf. Il a trouvé la moindre occasion d'insouciance de leur part pour qu'il il, s'y N'ham. Et Hassan al-Basri fait partie des grands imams qui, qui sont restés fermes sur la position des gens de la Sunna. Il a dit, « Qala Hassan al-Basri, wa ala Allahi, لا يستقيم الدين إلا بولاة الأمر وإن جاروا وظلموا والله لم لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون كما لها بن رجب دان جميع العلوم والحكم إذ حسن البصري رحمة الله تبارك وتعالى عليه Par الله la religion ne tient que par le détenteur de l'ordre, même si si font preuve d'injustice et d'oppression. Par Allah, Allah réforme Par leur biais, plus que le désordre qu'ils commettent eux. C'est-à-dire que le fait qu'ils soient en place occasionnera toujours plus de bienfaits par rapport au désordre et à l'injustice qu'ils commettent à leur peuple. Non? Plus que si on devait les destituer et au final rester sans gouverneur et sans euh, imam. Car quand on n'a plus de gouverneur, quand on sait qu'à sa tête, il n'y a personne qui va te dire ou qui va te châtier si tu fais quelque chose de pas bien. Au final, qu'est-ce qu'ils font les gens Ils s'adonnent à toutes sortes de choses, à leur passion. Cheikh il va en parler, Inch'Allah. ibad al donc ici, Shah Raslan parle de ce qui s'est passé en Irak récemment. Non la première et la deuxième, mais surtout la deuxième. Elle a beaucoup plus de conséquences néfastes que la première. Il dit Certes, dès lors que les affaires des gens s'ordonnent, s'organisent. Fussent-elles sous un gouverneur injuste Ceci est préférable à la dispersion et le désordre dans leurs affaires. Non. Comme ceci se déroula, et dont fut témoin les musulmans d'Orient et d'Occident lorsque le pouvoir central de Bagdad tomba à la suite de l'invasion des mécréants. Lorsqu'ils sont tous abattus sur Saddam Hussein, qu'est-ce qui s'est passé au final Chacun a réclamé le pouvoir. Les chiites, les kurdes, et toutes les minorités. Chacun a voulu sa part du, du gâteau. Et au final, qui c'est qui regarde de loin qu'est-ce qui se passe et qui attend juste le bon moment pour s'emparer <mérite> al -adou et le le kafir. Hein Il va en parler, Inchallah. Regardez ce qui s'est passé en arabe. Et la situation en arabe, elle n'est pas réglée, mes frères. Il dit. Il n'est pas concevable qu'une personne puisse cheminer sur un chemin ou s'agiter dans la société et qu'il soit convaincu que personne parmi les créatures ne le surveille ou ne le saisisse suite à un acte qu'il aurait fait ou à un propos prononcé sans que par la suite il ne puisse faire ce qu'il veut, c'est-à-dire ni la religion ne l'empêche, ni la loi ne le saisit. C'est-à-dire il est libre. Le pouvoir central l'a abandonné et l'a laissé au dépourvu. L'âme. Regardez à la suite des, 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 des révoltes du printemps arabe, comme ils l'appellent, le printemps arabe. Qui en fait n'est pas un printemps. C'est un printemps pour les koufars, oui. Eux, pour eux, c'est un printemps. Car c'est eux qui bénéficient au final. Pour nous, c'est pas un printemps. C'est un hiver glacial. Ou c'est un été brûlant. Eh ben, mes frères, les boutiques, elles ont été pillées. Les bâtiments, elles ont été détruits. Les femmes, elles ont été violées. Les biens, ils ont été spoliés. Les honneurs, ils ont été bafoués. C'est vrai ou non Est-ce que quelqu'un peut nous contredire sur ceci Ouvrez le jazira. hein el Jazeera jusqu'à maintenant. Nuit et jour, ils parlent des problèmes dans les pays arabes. Du sang, du sang, du sang, du sang. C'est pour ça que même cette scène-là, ça fait longtemps que je ne la regarde plus. Aïna kouwatul muslimin. Aïna al muslimoun. Nuit et jour, ils nous passent des images de musulmans qui sont en train de se faire déchirer à gazelle. ils sont en train de nous montrer des images. Ce pralala, on dirait que, déjà, on est dans des situations précaires. Et en plus de ça, ils passent en boucle des images qui nous cassent le moral. Comme si on n'en avait pas déjà assez. Et Lorsque le pouvoir, il est tombé, les gens, ils ont vu de leurs propres yeux, l'anarchie, le désordre dans les pays arabes. Non? Donc, les honneurs, ils ont été bafoués. Les biens, ils ont été spoliés. Les, les établissements, ils ont été détruits. Ma'a ah, Écoutez bien ce que dit Cheikh alors que, la force d'occupation, hein, l'hichtilal, waqafa naadhiran. Lui, ils sont les tenuants, juste ils il s'en est tenu en il juste y regarde. Il n'a pas participé. Ils ont participé aux révolutions. Hein? waqafa naadhiran. Yanni, l'an yusharik fi hada fi badi l'amri, fi badi amri wa inna ma waka waqa, waqa mimmen yentamuna ila Donc, ils n'ont pas participé au début. Ils ont laissé les gens se battre entre eux hein, jusqu'à ce que le, 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 le Wali il tombe. Hein, et ensuite, après, ils ont commencé à s'ingérer dans les affaires du pays. Comme en Libye. Libye, c'est un exemple flagrant. Même en Irak aussi. Ils se sont battus. Au final, ce sont les multinationales qui se sont implantées en Libye et qui ramassent tout le pétrole. Et les, 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 le pouvoir les biens, ils ramassent les miettes. Tout ceci à cause de quoi Nous avons contredit les enseignements du prophète. Salam et on a suivi quoi Facebook ou Twitter. Et ceux qui sont derrière eux. L'anarchie, quand elle survient, aucun honneur n'est respecté. Aucun bien n'est gardé ou préservé. Et aucun sang n'est préservé. لا وهذا كله انما تؤدي الى تلك الحزبيات البغيضه التي تنعق ها هنا وهنالك بحماسه مريضه وقد تكون قائمه على نيه قويه صحيحه ولكن خالف منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نارشي lorsqu'elle survient toutes ces choses-là ne C'est des choses essentielles pour l'homme. Son honneur, son sens et bien. Tout ceci n'a eu comme effet que de créer ce partisanisme, ce sectarisme exécrable. Et ce sectarisme exécrable, comme il dit, c'est-à-dire qu'il croise. C'est le, le bruit du corbeau. Quand il croise. qui croise de toutes parts avec une ferveur maladive pouvant être basé sur une attention ferme et sincère, mais contredisant la voix de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il ne fait aucun doute que Saïd ibn al-Jobair, lorsqu'il est sorti sur le hajjaj, il avait une bonne attention. C'est un grand imam Saïd ibn Joubir. il avait beaucoup de science. On ne remet pas en al-Shabi, On ne remet pas en question Mais il ne remet pas en Qaussaniyah. Mais il ne remet alayhi wa إذا الله الحسين رضي الله تبارك وتعالى عنه لا شك أن نيته كانت صحيحة ثابتة ولكن خالف منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن ينبغي أن يحذر المسلمون من أنثار هذه الأمور ويجب على المسلم أن يقوم على منهاج النبوة لأنه لا نجاة إلا بذلك شيخ الإسلام mis en garde contre tous aussi. Et il est obligatoire pour le musulman de cheminer sur la, la voie prophétique. car c'est la seule voie de sauvetage. Voilà, mes frères, c'est la seule voie de sauvetage. Allahu Akbar. Al-Sabr al-Jawur, حتّى يستريح بغرن أو يستراح من فجر. Nâm, al-Sabr al comme quâl bi asat wa salâm. لحديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه في صحيح البخاري ومسلم من راى في اميره شيئا يكرهه فليصبر celui qui voit chez son gouverneur quelque chose qu'il déteste qu'il patiente ومن فارق ومن فارق الجماعه الشبرا ومات مات ميتة الجاهليه celui qui se décarte d'un empan du groupe et qu'il meurt il mourra une mort comparable à celle des gens d'avant l'islam حتى يست... يستريح بغرون jusqu'à ce que le bon se repose et que l'on soit préservé du du pervers ça c'est la parole de l'imam Ahmed parce que les gens venaient le voir ils lui ont dit les l'ont lui ont dire on a une armée derrière toi, contre le wafiq il dit là sabr, sabr, fi -umur, sabr jusqu'à ce que le l'homme pieux se proposera c'est-à-dire Allah enlèvera toutes ces calamités. L'homme pieux se reposera et on sera débarrassé du pervers. Islam en dit la patience sur l'injustice et l'oppression des gouverneurs est un des fondements de la voix des gens de la sunna. Un mes frères ne soyez pas trompés sur tout ce qui se dit sur Internet ou dans certaines mosquées en France, ou ce que aime à répandre des jeunes ou moins jeunes, hein, en, en essayant de se révolter par la parole d'abord. En général, ils ne passent jamais à l'acte ces gens-là. Mais ils se révoltent par la parole. Et nous avions montré que la parole en elle-même, c'est une, une, ré, une révolution. C'est une révolte aussi. non Ne soyez pas trompés. Lorsque vous entendez quelqu'un dire ou parler sur un gouverneur, sachez qu'il est en train de suivre une voie que c'est celle des Khawarij. Comme l'a dit l'imam Al-Ajouri. Non, non, Ne soyez pas trompés. Fermez vos oreilles. Partez. Partez en courant. Comme c'est le cas du générale avec les gens de l'innovation. Et c'est Ceci est une vérité, mes frères, car la patience sur l'injustice des imams et leur oppression ne ramène que quoi Que le bienfait, que des avantages et repousse les inconvénients et les méfaits. Non et ceci est dans l'intérêt des pays et des serviteurs. واخيرا اذكركم بقول ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه عنهما قضم الملح في الجماعه احب الي من ان اقول الفالوذج في الفرقه اخرجه البيهقي في الشعب شعب الايمان باسناد صحيح Il dit ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما يدي لوكرنيوتموند يسال Avec le jamara, mais préférable que le falouzaj. Le falouzaj, c'est un gâteau, qui est fait avec de l'amidon et du maïs. Ceci, mais préfère le grignotement du sel avec le groupe, mais préférable au fait de manger ce gâteau, mais d'être dans la dissension et dans la division. بهذا القدر وصلي وسلم على نبينا محمد اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وحببنا فيه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وقهرنا فيه وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وقل رب زدني علما